Oui, merci. On me dit que je suis un peu penchée en même temps de la campagne, hein, c'est pas très grave. Hein. Et comme j'ai un petit penchant pour vous. On m'a demandé, mais bon, je pense que j'ai du mal à faire ça, c'est ce genre de sujet, parce que finalement, c'est. Attendez, j'ai mal à dire le mot. Procrastination. Pendant, j'ai répété 5 fois avant de commencer. Procrastination. Procrastination, ça veut dire le surdoué est procrastinateur. Je ne sais pas si ça se dit. Bon, bref, le surdoué fait les choses à la dernière minute. Alors, pourquoi le surdoué fait les choses à la dernière minute? Pourquoi est-ce que le surdoué attend le dernier moment? Pourquoi est-ce que le surdoué, à l'école, c'était d'ailleurs l'émission avec Myriam, avec qui je fais un petit coucou, et Zachary, pourquoi est-ce que l'enfant surdoué va faire ses devoirs au dernier moment? Ça tombe bien, c'est bientôt. Pourquoi elle ne mâche pas la mouche, là? Et pourquoi l'enfant va faire ses devoirs au dernier moment? Pourquoi le surdoué fait les choses au dernier moment? Pourquoi la feuille d'impôt est remplie au dernier moment? Pourquoi la comptabilité va être faite au dernier moment? Pourquoi les devis, les machins, enfin pour ceux qui font ça, pourquoi je sais pas quoi, pourquoi tout au dernier moment? Eh bien tout simplement parce que ce qui est fait dans un moment où n'a pas de raison d'être. Si on attend de vous quelque chose, si on attend du surdoué quelque chose, il va le mettre en place puisqu'il est attendu. Attendu, ça veut dire aimer, accueillir, respecter, idolâtrer, enfin, on peut aller très loin. Enfin, c'est ça. Si quelqu'un me demande quelque chose, je vais lui donner, ça me fait plaisir de lui donner. Surtout, il adore faire don de sa personne et don de lui et don de du matériel et don de ce qu'il peut. Voilà. Bah, par contre, si on demande à un surdoué de travailler 8 jours à l'avance, il va vous dire, mais pourquoi faire? Puisque c'est dans 8 jours, pourquoi je vais le faire maintenant? Sans compter que le surdoué a un gros problème avec le temps. Le surdoué est hors du temps. Sauf les HPI qui ont rationalisé, qui se sont coupés des émotions et tout ça. On en parlera encore du HPI qui est en souffrance avec ses émotions. Mais sinon, le surdoué, il bien sûr qu'il va attendre le dernier moment parce que ça a simplement une raison d'être. De faire les choses 8 jours à l'avance, ça n'a aucune raison d'être. Donc tout ce qui n'a pas de raison d'être et qui n'a pas un sens dans la logique du surdoué ne va pas être adopté par le surdoué. Donc évidemment, le surdoué va dans la procrastination. Mais quel mot compliqué pour un surdoué qui est tellement simple. Il va faire les choses au dernier moment. Oui, il va faire les choses au dernier moment parce que vous l'attendez au dernier moment. Il va se préparer au dernier moment, il va être en retard parce qu'il y a l'excitation du moment, de ce qu'il va donner, de sa rencontre, de son échange. Il va pas faire les choses avant parce qu'il n'a aucune motivation de le faire, ça n'a pas de sens pour lui, personne ne l'attend, c'est quelque chose qu'il devra ranger quelque part s'il ne le perd pas. Et si je me souviens, il y a eu de l'ami, bon, etc. J'exagère, mais c'est ça. Donc le surdoué est quelqu'un de last minute. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle tout. Last minute, c'est quelque chose qui existe. En plus, dernière minute, c'est quelque chose qui est passionnant. C'est le chose de dernière minute. C'est donner de soi. C'est mettre de l'entrain. Il n'y a aucune raison de faire les choses avant parce que ça n'a aucun intérêt. Bon, bah, c'est tout parce que moi, ce sujet, il n'a aucun intérêt puisque, voilà. Je procrastine. Je procrastine. Bon, c'est comme ça.